www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064. Facebook Congo Connexion TV. Vous avez droit de savoir. Allez, Fatih au corner. Attention, le joueur qui glisse, il n'y a rien, estime l'arbitre. C'est donc qui va directement en touche à suivre. Bien tiré, hein. Le contrôle est manqué. Il aurait pu dégager, il a tenté le contrôle supplémentaire qui n'a rien amené à part la touche qui sera rendue. Attention, peut-être la frappe côté. La jeunesse. L'égyptienne qui est au rendez-vous dans ses tribunes peu peuplées. Hein. Ce ballon qui est passé. Ah, il y a peu de solution, peut-être la frappe à suivre. Ah, la petite passe dans le mouvement. Avec ce long ballon vers l'avant, pour l'instant cette balle qui va sortir, touche à suivre pour les Égyptiens. On voit la frappe. Le gardien qui se lève bien là. Il fallait chercher cette balle, elle était puissante, forte. Elle partait sous la barre. 7 gardiens sur 10 auraient pris ce ballon en plus du 15, je peux vous le dire. Très très bel arrêt de Lukong. Un très bon mouvement là. Attention, et le gardien qui sort bien, il loupe sa sortie, le gardien. C'est moi qui ai récupéré. Attention. Et l'ouverture du score pour l'AS Vita Club. Saint Amou. 1-0 pour l'AS Vita Club sur cette erreur grossière du gardien qui a du mal à se saisir du ballon. En deux fois, ensuite le défenseur vient se faire surprendre là. Voilà, il loupe cette sortie. Et là c'est le défenseur qui se fait avoir un peu. Les deux défenseurs, c'est compliqué hein, de défendre ainsi. Quelle bévue du gardien. Mais ça condamne les Égyptiens à tout donner maintenant. Ah oui, c'est dur, Oussama Hassan. Il va falloir trouver des solutions là. Et donner le tout pour le tout. Saint Amou qui qualifie son club. Hein. C'est ce qu'on... Vous avez droit de savoir. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064. Facebook Congo Connexion TV.